ma sœur. J'aime beaucoup comment tu m'as annoncé. Ah oui. Quand tu as dit là, les informations certifiées, elle a demandé ISO combien? ISO Pola. Tu vas comprendre en fait. Ah ouais, c'est d'accord. Fort. Ok. Bon. Allons-y alors. Échauffez-moi, maman. Il y a des gens trop cette fille. Lancez-moi une amène bien. Amen. Lancez-moi une amène bien. Amen. Lancez-moi une amène bien. Amen. La semaine dernière, je vous ai annoncé ici que Vital, ma soeur Gros, s'est mariée coutumièrement avec monsieur Marco, Marco Versace. Donc, Vital, Versace, les VV dans la vie, c'est important. Ça devient W. Donc, je vous ai dit. Donc, en fait, je vous ai dit que le mariage civil devait se faire cette semaine, mais je ne vous parle pas de date. Parce que c'était une cérémonie un peu privée, un peu sexe. Donc, j'étais sur les lieux, le mariage a coûté 350 millions. Ah. Vous êtes sur vos vies aussi. Vous avez fait un mariage million. Nous avons été sur les lieux, nous avons travaillé sur la mariée. Ah oui, oui. Au sorti de ce travaillement, elle a récolté 1 milliard de francs CFA. Waouh! 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 Félicitations, ma sœur. Waouh! Wow, magnifique. Magnifique. Elle s'est changée 35 fois. 35 fois? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bravo, ma sœur. Alors, on va tout de suite continuer avec Kadia Keita qui sont aussi mariés. Il vous a dit qu'il y a plus. Il y a eu que tout le monde s'est marié dans le pays, là. Il s'est marié avec la magnifique et la série. Franchement, le mariage, là, je suis allée en coup de vent. En coup de vent, parce que j'avais pas trop le time. Je me suis retenue. Mais le mariage a coûté, selon certaines indiscrétions, 1 milliard de francs CFA, s'il vous plaît. My God. Pas n'importe quoi, hein. Alors, comme je pouvais pas aller là-bas et ressortir bras ballants, hein, il y avait des footballeurs qui ont travaillé. Moi, j'ai travaillé. Je suis homme, je vais pas. Il faut pas dire la somme comme ça. Ils vont couper sur toi tout à l'heure. Ouais. On va tout de suite continuer avec la maman, hein, j'ai envie de dire, la tantie, la maman, la grande sœur, tout ce que vous voulez, Nayan Kabel, qui a fait un post sur les réseaux sociaux dernièrement, je crois que c'était hier ou avant-hier, et qui a dit qu'elle avait été condamnée. En fait, elle a expliqué des choses. Je vous avoue qu'elle m'a appelée, mais j'étais occupée. Tu vas sortir. Ma secrétaire m'a transmis l'information, mais j'avais pas le temps. Ce week-end-là, il y avait trop chargé. De choses à gérer. Ah, trop. Donc, elle m'a laissé un message. Elle m'a dit, mais Paul, là, tu m'avais promis que j'allais rencontrer le président de la République. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais la dernière fois que j'ai appelé le président, c'était le vendredi. Mm-hmm. Il m'avait dit qu'il devait... Amen, s'il vous plaît, amen. Il m'avait dit qu'il devait voyager. Mm-hmm. Donc, laisse-moi rentrer en contact avec lui ce soir après l'émission. Et puis, je vais te rappeler. Mais en tout cas, maman, beaucoup de courage à toi. Je sais que quel que soit ce qui se passe, tu as raison. Mm-hmm. Parce que je vais te croire d'abord. Maintenant, si on me donne une autre version, je vais voir. Mais pour l'instant... On te croit. Je te crois. Mm-hmm. Je vais t'appeler. Un coup, j'entends. Foufou. J'entends. Foufou. J'entends. Foufou. Salindie, la vieille mère. La minadère. Tu as dérangé les réseaux sociaux. Mm-hmm. La vieille mère. Tu es venue... Fatiguer Internet, la vieille mère. Le samedi dernier, tu as dérangé Internet, la vieille mère. Mais la vieille mère. Oui, la vieille mère. Tu as été reçue, la vieille mère. Par monsieur Yves de Mela, la vieille mère. À Nostalgie, la vieille mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas, la vieille mère? On t'a déniera. Yves de Mela a osé dire que tu n'as pas donné la voiture de la Miss Côte d'Ivoire 2022. La villa. La maison, pardon, de la Miss Côte d'Ivoire 2022. Mm-hmm. Tu as dit, non, ce n'est pas possible. J'ai donné la maison. Donc Yves, t'as déniara. Ton retour, tu as déniara Yves. Parce que tu as fait sortir d'un autre cal. Mm-hmm. Où le commissaire a régné 3 fois Yves avant le chant du coq. Mm-hmm. Pour le traiter de prestataire. Mon patron, ils l'ont traité de simple prestataire. Ils ont dit, oui, on le connaît en tant qu'un ami, mais ce n'est qu'un prestataire. Est-ce que vous pouvez croire ça? C'est fort. Donc, Yves t'a envoyé, toi t'es envoyé. Ça fait un but partout, balle au centre. On n'a même pas encore fini de respirer. Un coup, j'entends. Foufou. J'entends. Foufou. J'entends. Foufou. Yves est encore venu te déniara. Aïe, aïe, aïe. Yves de Rola Waraba. La lionne. La lionne. Elle est sortie. Crrr, crrr, et la jaguar. Ma sœur, la jaguar. Elle dit, mais Sabine, qu'est-ce que tu racontes? Mais Sabine, tu es une menteuse. Mais Sabine, tu m'as promis un terrain. Tu vas dans le terrain. On enlève ici le terrain. Tu vas dans le terrain. C'était souhait si Sabine, quand Sabine dit, mais non,
Je dis, c'est pas possible. Non, 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 non. Ça fait 2-1, ça fait 2-1, non? Si, si. Quand, ben, ils vont envoyer. Samine a envoyé. Il vient envoyer, oui. Ça fait 2-1. Mm-hmm. Samine dit, je ne vais pas me laisser faire. Elle envoie notre vocal en même temps. Elle se l'est parlé. Mm-hmm. Oui, Ivy, mais tu peux me dire ça. Ivy, toi, tu es venu. Tu m'as dit que tu voulais te donner 7 millions. Je t'ai dit que je ne vais pas te donner 7 millions. Je vais te donner 4 millions. Mais tu as parlé d'un procureur. Dans le nom du procureur, je te donne fait 4 heures. Fait 4 heures sont passées à Waraba. Où est donc le nom du procureur? Question. J'ai bien aimé. Question. On répond. Où est donc le nom du procureur? Question. Ça fait quoi? Deux buts partout, balle au centre. Le match est serré. Sabine, hein. C'est serré. C'est vraiment serré. Le match est serré. Quelqu'un, je n'ai même pas encore fini de parler un coup, j'attends. Foufou. J'attends. Foufou. J'attends. Foufou. Tu es fatigué, moi, c'est trop. Un député est sorti. Tiens. Il allait sur TikTok pour faire direct. Il dit, mais Sabine, tu mens sur moi. C'est que il est rentré dans le direct d'une gogo. Il dit, mais je ne peux pas me laisser faire. Je dis, c'est pas possible. Non, 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 non. Où est mon argent, Sabine? Où est mon Jay? Il est sorti de l'émission. Sabine, okay. Je suis fatiguée de là. Patient! Yeah. Je suis fatiguée de toi. C'est soi aussi, Sabine. Sabine dit qu'elle n'a plus raison, n'a plus connexion. On la cherche depuis hier. Injoignable. Sabine est injoignable. Injoignable. Sabine a disparu de la surface de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Sabine, je compte sur toi pour venir rééquilibrer le score. Parce que là, ça fait toi. Marcel, viens à ta place. Marcel, viens à ta place. Viens à ta place. Attends. Je veux pas. Voilà. Ça fait 3-2. Mais si on veut bien compter même, ça peut faire 3-3. Parce que Mola est... Et... C'est la vérité. Mola m'a appelé. Je vous... Elle t'appelle où? T'as vu, non? Elle est à ta place. Mola m'a appelé. Il m'a donné des informations. Mais comme je suis une fille, je suis bien. Hein? Je suis un enfant, je suis béni. Demain, on parlait de ça. Alors!